Tous les piliers de la fonderie ont été détruits, je me demande qui peut bien les reconstruire à chaque fois. Très bien. Vous avez gagné un match en jouant Ninjara avec la vipère. Aucun problème pour un ninja digne de ce nom. Alors, il y a des combos entre armes choisies et personnages. C'est intéressant, ça. Vous avez frappé le gong de Ramenville deux fois. Yes! Pensez un peu aux habitants, enfin aux tympans des habitants. Très bien, bon, bah, ça va. Ça va. C'est des badges mignons. On va attendre les 200 points pour faire un tour à l'arsenal. Ouais, dans ce groupe-là, on est redescendu à 138 000. C'est bizarre. Tout à l'heure, c'était 230 quelque chose 1000. Non, je comprends vraiment pas le système des points du groupe. C'est très bizarre. Je comprends pas, ouais. Dans ce groupe-là, c'est Ninjara qui domine. Enfin, pas grand-chose, enfin, si, quand même, mais... Alors que tout à l'heure, c'était Minmin. Non, j'ai vraiment du mal à comprendre comment ça compte, hein. C'est vraiment bizarre. Parce que même les points qu'on gagne sont... Enfin, au max, on peut gagner 90 points, donc ça change pas à ce point la donne du truc. C'est... Non, je sais vraiment pas comment c'est calculé, du coup, les points. Ben... Normalement, tous les serveurs sur lesquels je joue, tous les gens que je combats sont, en théorie, en France, ou pas loin. Parce que ils vont pas me faire jouer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Question de ping et tout ça. Donc je pense pas. Non, normalement les gens qu'on affronte, là c'est comme le Splatfest en général. Quand on joue en ligne, ils nous groupent avec des gens qui sont pas loin. Histoire que ce soit à peu près cohérent au niveau des délais. Donc ouais non finalement je sais vraiment pas comment ça compte parce qu'il y a vraiment des groupes où c'est Minmin qui domine, des groupes où c'est Ninjara qui domine et du coup je sais vraiment pas comment c'est décompté, c'est assez fou. Oh non! Ah putain! Oh mais non! J'aurais pu gagner! Oh mais décidément, ce soir je vais pas vraiment gagner. Hein. C'est. Non, lâché. Ouais, là voilà, ça fait plus 22. Normalement, Minmin, elle a gagné. Au mieux, elle a gagné 45 points ou 90 points si jamais il y avait déjà le bonus, mais ça m'étonnerait parce que là, c'est barge de basket. Donc, je sais vraiment pas comment ça marche, ce système de groupe. Je pense vraiment que c'est des. Que c'est plein de petits salons, plein de petits groupes. Et que après, ça doit être le total de tous les groupes qui est calculé. Et de là, il détermine qui gagne et qui perd, mais c'est. Je sais vraiment pas comment ça marche. Yeah, it was so close, but I can't believe how much I'm losing tonight. Usually I'm a little bit better at the game. But I guess tonight is not my night. But since I still win some points, I don't mind losing. It's not a total defeat, you know. You still kind of have a reward, so it's okay, I guess. Oh, ça aurait dû le choper. Quoi?
Ah non! Ah! Oh zut! Oh! Oh non! Ça a raté! Et là, ça va rentrer. Non! C'est pas grave, c'est Ninjara, qui gagne, ça va. Yeah! Ça va, on se fait quand même pas mal de points, même si on perd 67 points. C'est quand même pas mal, c'est sûr que c'est pas les 90 de la victoire, mais c'est quand même pas mal. C'est pour ça que ça reste intéressant à partir du moment où vous prenez le bon personnage et au moins une des deux armes bonus. Au moins vous, la défaite est pas amère, c'est plutôt cool. So I was saying that yeah, it's pretty cool that as long as you're using one of the two character and one of the two bonus arms, you still get some points, so it's not at all lose. And I really, really appreciate that because it helps when you lose. It's not an eagerly defeat. There's still some comforting even when you lose, so I guess it's okay. I mean, I'm not mad losing I'm not mad when I'm losing in the party crash. But when I'm losing against my friends, that's something different. Because there's no reward. You're just losing. Here you're losing, but you might win some pages. Or at least you can win some points, so this is something. At least a victory! Ah, enfin, une petite victoire. Erreur. Yeah! Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu ça pour moi. J'en suis ému. Oh, 135 points vu qu'on est en x3. Oh mon dieu, une victoire! C'est parce que Aurore arrive et tout de suite je gagne. Ah. Incroyable. Ah, Naruto, c'est le prochain arc de Boruto. Naruto, Boruto, Maruto! Oh. Wow. Oh. Youhou. Ah, zut. J'ai pas pu l'éviter. Yes. Bon, ça va, j'accepte à un point près. C'était un beau match. C'était un beau match. It was a pretty match. Pretty fight. Bah oui, non mais c'est la peur de gagner, je joue bien au début puis je panique et c'est la catastrophe et ça s'enchaîne, hein. Mais c'est pas grave,
Alors, Ah, Twintel. Bonne nuit, Crystal. Et merci, je garderai la défaite avec bon esprit. Après tout, je gagne des points, donc ça va. Et puis au pire des cas, j'aurai mon lose streak, ça va. Ça va. Ah, il y a le retour de... Oh non! Ah bah merde, Twintel! Twintel. Oups, et moi qui me mets directement dans les trucs. Ouah. Ça va le bébé? Ça va le bébé? Non! Et c'est plus le basket là, ça suffit Maruto. Bébé, ça. Oh zut. J'ai gagné parce que j'ai plus de points de vie. La victoire du pauvre, c'est une victoire quand même. Ah, ce soir, les victoires du pauvre, je prends. Headlock niveau 7. Aïe. Ah oh, putain, ils ont bouclé en plus. Au moins ça a réussi à le toucher parce qu'avec les boucliers c'est vachement chouette. Yeah. Qu'est-ce que je disais? Ah mince, mauvais timing. Ah ça va, il y a quand même des coups qui sont passés. J'ai quand même pas mal tapé mes copains, mais heureusement, quand on est dans la même team, on peut pas leur faire mal. Ah. Allez, meurs! Oh boy! Oui! Yes! Plus personne n'y croyait. Mais pourtant, on l'a fait. On l'a fait! Oh vache! Ah, que d'émotion.
Putain, ça va être compliqué. J'ai dépensé des tickets verts pour aller à la carrière. Vite! Parce qu'il y a des compos! Mais il va falloir que je fasse le match en même temps! Mais je veux mes compos de Noël! Vite les cailloux! Vite les cailloux! Je trouve que des pépites d'argent! Ah! J'ai trouvé une pépite d'or! Et en même temps, je joue à Arms! Au secours! Mais non, pas Ninjara! Attaque Min Min! Oui, super! Il faut que je récupère mes compos! Mais oui, mais je veux garder mes tickets verts, mais en même temps, c'est bientôt fini l'événement de Noël et après, il n'y aura plus de trucs et je pourrai pas faire mon bonhomme de neige, tu comprends pas? Toi, t'as déjà tout, pas moi! Non, me chope pas moi! On est des Ninjara, on devrait s'entraider! Oui, c'était pas du tout cramé ce que j'essayais de faire. Oh, mais elle est pas morte! Putain, je croyais qu'elle était morte! Je croyais qu'elle était morte! Pas du tout! Bon, au moins j'ai réussi à casser tous mes cailloux. Bah, il reste plein de jours où, oui et non, ça passe quand même vite et je gagne pas beaucoup de compos par jour. Mon téléphone il ferme souvent le jeu. J'ai que jusqu'au 25, ça se rapproche. Petit match 2v2. Non mais c'est bon, de toute manière j'ai fini de faire la carrière, donc c'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir me concentrer sur le match. Je suis désolée si vous regardez ce stream. Sachez que je m'en excuse. C'était pas sympa pour vous. Bon, après, j'avais personne à soutenir. C'était que du 1 contre 1 contre 1. Donc, hop là, par contre, non. Ah, je voulais l'empêcher de choper mon pote, mais ça s'est pas bien passé. Tu vas te calmer, oui. Kid Cobra, je t'aime bien parce que t'es genre hyper cool, mais tu vas te calmer tes fesses. Mais arrêtez de le choper! Bouge-toi! Putain, mais c'est l'autre! Ah, c'est relou ça! J'essayais de me dégager de l'explosion et je pouvais pas. Voilà! Hop là! Oui, forcément, j'avais pas prévu qu'il balance son spécial à ce moment-là. J'en gagne pas beaucoup hein, des trucs de fête, j'en gagne juste un tout petit peu par chance quand des fois je remplis des requêtes, mais comme je commence à plus avoir beaucoup de fruits ou de poissons en stock, ça commence à devenir difficile et farmer c'est compliqué quand ton téléphone y ferme l'application. Mais ça va, je suis à 208 tickets verts, je pouvais me permettre, mais ça va, Tom Nook, j'arriverai à l'avoir bientôt, j'espère, puis au pire c'est pas grave. je vais faire. On va tenter ça. On va tenter ça. Par contre, à quel niveau est-ce qu'on obtient Momo? Bah alors? C'est dommage les gens qui veulent pas combattre, j'imagine, pour éviter d'avoir une une pénalité, je pense. Il doit faire exprès de se laisser perdre. Oh! Il a donné un coup, ça y est! Quand
quand même. Ou alors il doit faire ça pour un badge. Il y a peut-être un badge où il faut réussir à remonter d'un match genre à la toute fin. Ouais mais non. Oh, t'as cru quoi? Dis donc. Oh. Et oh. Et oh. Tu me vends des fruits à 20 clochettes, mais tu peux pas les baisser trop. T'as pas le droit. Mais que dadale! Oh, que dadale! Pour rester dans son jeu de mots pourri. Allez là, les combats, finissez-vous! Ah, c'est pas les mêmes animaux au même niveau pour tout le monde? Oh, je veux mon mot! Mais non, pas quitter le groupe! Ah, mais je fais n'importe quoi! Je veux Momo. Je vais me faire une team chat. Une team chat plus plus les animaux que j'ai dans ma ville. What? Oh mais non. Oh. Ah, je voulais pas choper là par contre, c'est con. Voilà. Wow, comment je suis passé au travers? Coucou Fieril. Mais oui, Apollon et Stéphane, ils sont trop mignons. Mais en plus, Apollon, je l'aime bien et je veux le garder dans mon campement aussi, parce qu'il était dans le film Animal Crossing. C'est pareil, Rosie aussi est dans le film Animal Crossing, donc du coup, je veux les garder. C'est combien le campeur Max dans son campement? Ah. Ah. Salut Croc. Ah merde, je voulais esquiver, ça s'est très mal passé. Ah. Et merde. Je tente des chopes à l'aveugle. Ça passe. Ça passe. Et du coup, on a fait égalité. Non, j'ai gagné! Ouh, retournement de situation! J'applaudis en claquant des doigts. Tellement moderne. 8. Ah, bah oui, c'est trop dur de choisir, putain. Non, je veux plus de place. C'est bien 8 campeurs. Ah, très bien. Bon, bah ça, c'est trop nul. Et ouais, je vais essayer de t'ajouter. Je vais essayer de voir si ça marche. Mon téléphone, des fois, il ferme l'application sans prévenir. C'est pas très cool. Allez, dépêche. Il faut que j'ajoute un code ami avant que ça commence. Ah ouais, non, mais la shop sur la fin, je... Waouh. Ça m'impressionne parce que... je la shop à l'aveugle. Wow. Thank you.
Je me suis bouffé le ballon. Yes. Ah zut. Ouf. Allez. Yes. Bon. Par contre, si l'application pouvait ne pas se fermer, ce serait bien. Il est 23h15. On va faire un petit tour à l'arsenal. Ça me permettra de, comme ça, d'entrer le code en toute tranquillité. Si ça marche. Allez, fonctionne. Vous avez disputé 400 rounds. Vous avez totalement compris Arms. Totalement. T'es sûr de toi, le jeu. T'es sûr de toi parce que je suis pas tout à fait sûr, moi, personnellement. Hein. Allez, on va prendre Twintel. Mais avant. Non mais dans tous les cas, on gagne toujours. Mais c'est vrai que là, je recommence un peu à gagner parce que en début de stream, c'était pas ça. Alors, il est marqué où ton code? Ah oui, voilà. Allez, dépêche-toi le téléphone. Je veux faire un autre truc, s'il te plaît. Bouge tes fesses. Même si t'as pas de fesses, parce que t'as un téléphone. On sait pas, hein, peut-être que les téléphones ils ont des fesses. Allez. Envoyer une demande d'ami 3 heures après. Entrez son code Poké. Alors, le code Poké. Le 0000 0000 000. Bon, j'espère que j'ai pas fait de faute. Je crois que j'ai. Non, c'est bon. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais! Voilà, maintenant je vais fermer le jeu. Bye bye! On déconne pas avec l'arsenal. Et ils sont où, mes paquets? Mes paquets, ils sont où? Mais mes paquets! Ah, quand même! Non, mais. Oh, zut! Ah, dommage. Youhou! Oh, j'ai raté les deux derniers. Enfin, les deux derniers, non, la dernière. Je vais doubler. Oh. Voilà. Priorité aux paquets et aux horloges. Hop là. Oh non! Pas rebondir. Yop. Et oh, merci. Oups, je voulais faire un tir croisé, mais j'ai raté. Bon, le paquet, voilà. Le paquet! Et les dernières cibles.
faudrait que quelqu'un. Faudrait que tu essaies d'ajouter un autre pour voir si c'est le code de personne. Oh. Tous ces cadeaux. Mais oui, t'as vu, c'est mon anniversaire. Ah non, c'était pas Corbeau, c'était Corneille, c'est vrai, le nom de l'arme. Oh, la momie, elle a presque son tableau d'armes complété. Mechanica aussi. Ça commence à être beau, ça. Incroyable. Allez, il est quelle heure? 23h20. Ouais, je vais jouer encore un petit peu. Malheureusement, pas avec Twintel. Non, pas avec la momie. Ah, mais... Ah, voilà, parce que j'essayais de prendre une autre couleur et du coup, ça m'a fait aller sur la momie. J'aime bien la momie, hein, mais pas quand il faut jouer Ninjara. Oh, putain, la vache, là, on est dans un groupe où il y a beaucoup moins de points. Et domine. Ouais, donc non. Je pense vraiment que ça doit être... les résultats, ça doit être le calcul de tous les petits groupes. Et après, du coup, bah, il détermine le gagnant ou la gagnante en fonction bah, du nombre du groupe. Qui a le plus de points parmi tous les groupes. Parce que là, ouais, on était passé à des groupes de 200, je sais plus combien de points, 100, je sais plus combien de points, et là, juste 6000. Ça fait quand même de sacrées différences. Hein. Les différences. Elle donne tellement faim, cette arène. Encore un niveau 7. Tu m'emmerdes. Faudrait que je rechange un peu les armes de Ninjara. Wow. Ah. Oups. Ah non. Ah. Je sais pas comment est-ce qu'il est revenu là-bas, mais très bien, ça m'arrange. Wouh. J'ai évité l'explosion. Ah zut. Quelqu'un a annulé ma prise, c'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est mangé dans la tronche? Oups, j'avais pas vu l'explosion. Ah, mais arrêtez d'annuler mes prises! Wow! Ça va pas le faire. Dommage. Tant pis. Le méchant a gagné. Bouh. Vilain. Vilain pas beau. En plus, t'as les dents toutes jaunes. Du premier coup. Ah. Ça va être l'angoisse. C'est ça que je veux changer, je veux remettre celui-ci plutôt. Et ça, je vais mettre ça. Donc du premier coup, c'est comme ça l'indique, du premier coup. Le premier à encaisser un coup, la garde ne compte pas. Le premier à encaisser un coup de plein fouet, on va dire. Et KO. Yes.
presque level up. Allez! Un combat! Un combat! Un combat! Mais non, mais faites pas combattre des inter ninjara! Il y avait plein de min-min qui traînaient là! On est tout rouge tous les deux! On est tout rouge tous les deux! Le vrai rouge gagne! Au moins les fans, ils ont tous la même tête. Level up. Allez vite, un dernier match. Vite, 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 avant que ce soit la fin de la période bonus. Allez! Oui. Un ninjara contre un ninjara sur le terrain des ninjara. Ah bah moi dès qu'on peut spammer des bruits à la con... Ouah! Ah merde! Il y a eu des... Ouh! Mais jolie victoire. Mais c'est une victoire de Ninjara, donc ça va. Ah bah voilà. Ah merde, dommage. Mais j'aime bien le mode mort subite, c'est très rigolo. Bravo Min Min. Elle a quand même une super semelle de chaussures, hein, je veux pas dire. En plus, il y a son logo en dessous. C'est un peu la classe. Oh, il est joli le badge de Jandel. Il est sympa. Je veux le même. C'est con qu'on puisse pas leur demander. Hé, comment t'as eu le badge là? Dis-le-moi s'il te plaît, Jandel. Mais alors du coup c'est pas synchro entre ce que vous voyez et ce que je dis, il y a un décalage, donc mais moi j'avais dit ça en même temps. Allez, encore des combats avant la fin du temps bonus. Vite, vite, vite. Ah. Ah, il y a un dragon dans le jeu, ça va être un chaos. Je perds toujours face au dragon, voilà. Et refait. Ah! Oui! Yes! Ouh. Je défends l'honneur chez moi, sur mon terrain. Yes! C'est trop intense. C'est pas aussi intense que du Salmon Run, hein, soyons honnêtes. Arme bonus. Bah j'ai pas le temps de changer. C'est pas grave. Une armée de min min. Min 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 min.
Voilà, j'allais dire, il a touché le sol, le ballon, là, quand même. Yes! Oui, on a déjà été faire un tour dans la finale, tout à fait. Presque niveau 37. Je sais plus quel niveau j'étais pour jusqu'à quel niveau j'avais été pour Ribbon Girl et Springman. Je sais que j'avais fait 30. 35 peut-être? Je sais plus. Mais c'était 30 quelque chose. Je me souviens plus combien j'avais fait. Allez, mais change de... Putain, je voulais changer de personnage à viser. Bon bah, c'est pas grave. On passe à un autre match. Quand c'est des matchs... Quand c'est des matchs où je peux sortir... Ah bah oui, c'est vrai, je voulais changer d'arme. Oh, j'ai oublié. Quand c'est des matchs où je peux sortir, parce que par exemple, on n'a pas besoin de regarder notre coéquipier se battre, je préfère sortir tout de suite. Bah, comme là, justement, comme ça, au pire des cas, on peut enchaîner sur un autre match directement. Donc c'est vrai que quand c'est des matchs à 3 ou 4 mais que on est lié à personne, dans ces cas-là en général je me barre comme ça on peut rapidement enchaîner sur autre chose. Dommage. Mais putain, à chaque fois que je le chope, on me fout un coup, ce qui fait que ça annule ma chope, c'est trop bien. Je vais le laisser attaquer. Ah bah c'est bon, il est mort. Parce que j'allais dire, je vais pas attaquer s'il balance sa charge spéciale, mais au moins comme ça, boum. Ah, effectivement, c'était une journée plutôt calme, une seule proposition indécente, mais en même temps, c'est parce que c'est le week-end. C'est certainement parce qu'il devait se remettre une gueule de bois, tu vois, donc... À mon avis, ça va revenir de plus fort la semaine. Hein. Ils se font chier au boulot, donc ils envoient des messages de merde. J'ai oublié de changer mes armes. Donc, prépare-toi, la semaine arrive. Arme-toi de courage et de bloc immédiat. Non, parce que c'est louche quand c'est trop calme. Hein.
Oh. Oups. Mais c'est dingue ça quand même, tu fais un Facebook Pro et tu reçois que des carrés comme ça quoi, c'est hallucinant quand même. Yes! Il te reste encore 400 invitations à traiter. Eh ben putain. Bon courage. Ce serait pratique s'il y avait une espèce de bot pour trier tout ça, tu sais, genre s'il y a tel ou tel mot-clé dans le message ou dans le profil, hop, ça zappe automatiquement. Pas mal ça. Ça peut être pas mal. Ouh. Ah non, 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 non. Oh oh non! Mon partenaire à déco! Ouais, là ça va être compliqué. J'ai limite envie de poser la manette, mais bon. Ouais. Ah zut, je voulais esquiver. Bon. En même temps, là, c'était un peu compliqué, hein. Les invitations à traiter, c'est plus simple que les propositions. Oui, ça, c'est... Oui. Oui, mais c'est pour ça, voilà, justement, si, mettons, il y avait quelque chose qui permettait de voir si quelqu'un qui te propose une invitation a aussi envoyé un message. Et bah que s'il y a tel ou tel truc, paf, ça jarte automatiquement comme ça, ça t'évite d'avoir à subir cette connerie à chaque fois que tu ouvres ta boîte de messagerie. En tout cas, fais quand même bien attention à faire ça que quand ça va, parce que ça peut vite être démoralisant et... Faut bien changer les idées entre chaque session. Oh. Ce qui est bien, c'est que comme le point à oiseau, il vise un peu tout seul aussi, enfin l'oiseau est un peu à tête chercheur, du coup je peux aussi me concentrer sur les cibles. Pendant ce temps, il y a l'oiseau qui fait le reste, qui des fois touche l'adversaire, des fois non. Du
Le pire, c'est que t'as dû tout dire pour le cas où quelqu'un avait un projet lié à ton pro. Oh merde, oh putain, c'est dégueulasse. Ouais, non, mais je sais pas quoi dire à part te dire bon courage. Oui, par contre, là, je l'ai écrasé. La bonne nouvelle. Après, je sais pas. Faudrait. T'es quelqu'un à côté de toi comme ça, vous relayez. Vous relayez pour faire le tri. C'est la partie bonus, il n'y a plus personne pour jouer. Rythme et points bonus. Ah si, on va pouvoir jouer. On joue toi et moi. Allez. 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 Merci. Mais le bébé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Oh, dommage. Non, pas touché. Bébé, qu'est-ce que tu fais? Mais pas touché. Je dis, tu fais exprès quand je suis pas tendue, hein. Non! J'ai refusé de laisser. Voilà, on se reprend. Et voilà! T'as rien chopé? Non, ça va. Bon alors, bébé! Dis, t'as pas honte? T'as pas honte? Modino. Modino. Bah ouais, c'est vrai que Facebook c'est pas la meilleure plateforme pour ça. Enfin, pendant un temps ça pouvait quand c'était le départ, mais ouais, il y a LinkedIn et tout ça, mais. Et Facebook par rapport à LinkedIn, l'avantage c'est qu'il y a plus de 3 personnes. C'est vrai, ouais, effectivement. Ouais. Et vu que ton taf ne fonctionne qu'avec la pub, bah effectivement, du coup, ouais, c'est vrai que t'es un peu coincé sur Facebook. Par contre, elle me ramène des viewers. Ah, c'est vrai. La cible dorée! Tiens, va me bêcher. Oui, tu veux jouer? Regarde, tiens, regarde. Appuie là. Non, mais il faut pas juste sentir. Regarde, prends la papate. Mais sentir c'est bien, mais tu peux te frotter sur les boutons à la limite si tu veux pour essayer de. Pour essayer que ça fonctionne, mais non. Oh mais non, je voulais la petite cible. Mais saute! Oh! Alors, je fais pas exprès de taper aussi souvent dessus, moi je veux juste surtout taper les cibles. Hein. À la fin, mais quand même, j'ai gagné. Bah oui, hein, faut croire que bosser dans l'immobilier, ça veut dire vouloir coucher avec tout le monde. C'est, je veux dire,
C'est être intéressé par des propositions indécentes sur Facebook. Je veux dire, c'est tout à fait logique, genre, waouh! Non, on est d'accord que ça ne fait aucun sens, c'est complètement stupide. Et même de base, sur un compte perso, tu fais pas ça. C'est n'importe quoi. Ouais, non, mais les gens dans leur tête, des fois. Ouais, malheureusement, ouais, t'es obligé de. Ah, bah oui, non. Je pense que la page, elle est pas disponible parce que c'est peut-être sur ton statut privé, du coup, les gens doivent pas pouvoir le voir. Oui, bah oui, mais toi tu peux le voir, mais je pense que comme t'es en session privée sur Twitter, du coup les gens doivent pas pouvoir le voir. Ah, t'as pas mis les skins. Ah, non. Oh non, mais la descente, c'est des gens qui connaissent pas, hein. C'est. Sous prétexte que ça se fait sur Facebook, les gens se disent que c'est le bon endroit pour essayer de balancer des pierres saletées. Ah, c'est sur ton public? Ah, tu l'as remis en public? Ah, bah, je sais pas, c'est bizarre alors. Ouais, parce que même moi, je ne le vois pas. Là, j'ai essayé de cliquer et ça m'a marqué que le. Ah, c'est parce que ça a accroché à un truc. Ah, d'accord. Ah, bah oui, effectivement, le C. Il suffit dans ce cas juste de supprimer le C à la fin. Yop là! Oups! J'avais vu venir, mais j'ai pas. J'ai mal. J'ai anticipé, mais pas réagi en fonction. Oh non, ça m'a touché quand même. Yes. Et quelle heure? Ouais, on va aller regarder si on a quelques points pour l'arsenal et je pense que je vais être raisonnable ce soir. On va pas streamer trop tard. Bon, il est déjà presque minuit, mais on va pas gagner de nouveaux badges. Oh, on a de quoi faire un petit tour à l'arsenal. On va prendre une petite cobra, parce que je l'aime bien. On va faire deux chrono courts du coup. Non, parce que même si je suis pas fatiguée, faut quand même que je me force à m'allonger. Parce que sinon, je m'endors pas avant 2h du matin, c'est terrible. Pour me réveiller à 7 ou 9h, hein, c'est une bonne grosse nuit de sommeil. Beaucoup de cadeaux, hein. On rejoue. Oh, j'avais presque fait 6-6-6. Mais ouais, je pense pas que ce soit possible. Vu que c'est que en 10. Voire en 5, peut-être. Non, c'est que en 10. Où est le paquet? Ah, dommage. Non, le paquet! Le paquet! Voilà. Le paquet! Ouais, ça fait peine à voir, hein. C'est fou ça, que dès la sixième, ouais, mais c'est vrai que les gens, des fois, ils réalisent pas que ça commence vachement tôt parce que bah, ils sont pas bien éduqués. Et ouais, ça commence malheureusement vachement tôt.
Et les gens à chaque fois ils disent mais non, il est trop jeune pour comprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Tu crois quoi? C'est ça. Ouais, et puis en plus sur Internet c'est encore plus décomplexé, tout à fait. Bon, allez, je vais faire un dernier petit truc. Allez, un dernier petit truc. On va retenter un mode survie. On va retenter un mode survie. J'avais déjà fait avec Missango. On voit pas si on l'a déjà fait avec quelqu'un, si. Non, j'avais pas du tout essayé avec Missango. Ah, c'était peut-être avec Ribbon Girl que j'avais. Oui, c'est ça, c'était avec Ribbon Girl que j'avais essayé. Bon, on va tester celui de Missango. Alors, c'est quoi ses couleurs à lui déjà? Il y a argenté. Il y a veil. Il y a tout violet. Non, je vais prendre comme ça. Il n'y a rien vers le haut, je crois. Non, vers le haut, c'est normal. Je vais prendre comme ça. On va tester ses armes. Ouais, je pense que je vais jouer scorpion et oiseau. Hop là! Ils ont déjà bien assimilé que le consentement, c'était pas nécessaire. Ah bah super! Wow. Je devrais peut-être me mettre avec un autre masque. Je vais essayer de prendre le bleu. Ah zut. Donc on va attendre. Voilà. C'est le bleu la vitesse, je crois. Ah, je veux celui-là. Voilà, merci. Je crois que c'est le bleu la vitesse. Maintenant, je me souviens plus. Oh non, je me suis fait toucher comme un caca! Je sais plus ce qu'il fait le jaune. Ah oui, je crois que ça me protège un peu mieux pendant que j'utilise mon spécial. Bon allez, oh non, c'est pas vrai, je me fais choper comme un caca. Mais oh, c'est fini le foutage de gueule? Mais touche-le! Touche! Merci. Oh là là, si je commence déjà à faire n'importe quoi sur cela, j'ose même pas imaginer sur la fin. Hop là! Oh, mais non, encore un peu de mieux. Ah, mais... Voilà, je vais essayer de les aligner. Mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi élastique? Maudit Helix! Oh mais... Oh genre! Tu vas le toucher, oui? Non mais...
Ah mais... Change d'adversaire, merci. Allez, touche. Ouais, non, je vais peut-être pas utiliser le masque rouge parce que ça me ralentit. Ça me rend certes plus résistant aux coups, je peux les encaisser sans vaciller, mais ça me ralentit aussi. Oula! Non, pas touché, j'ai dit! Oh, mais tu es sérieux? Mais... Mais non! Bon là, il faut faire gaffe maintenant. Non, pas touché! Voilà. Et là, il faut faire attention. Parce que le dernier adversaire... Voilà. C'est lui. C'est Headlock, mais bon, là, je peux peut-être m'en sortir parce que je suis encore full vie. J'étais. Même s'il a une armée de scorpions avec lui. Oh, ça peut être un peu angoissant. Non, 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 pas à toucher. Wouh! Non, 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 dégagez les scorpions. Non, pas touché, pas touché. Voilà. Bon, ça va, celui de Missango, c'était facile. Celui de Minmin, par contre, il est chiant. Celui de Minmin, il est chiant parce que à la fin, il y a genre une armée de dragons et c'est horrible. C'est horrible. Ben voilà. Alors, je regarde un peu ce que vous racontez. Allez, ça les institutions. Ouais, hein. Ouais, bah ça, malheureusement. Ah merde, ouais, ça c'est chiant, si t'as pas beaucoup de formation sur ça. Ouais, c'est chiant s'ils vous forment pas en plus sur ce genre de, problème, donc... C'est pas évident à gérer non plus, donc c'est vrai qu'un minimum de formation ce serait attendu quoi. T'as assuré tout soutien à la vie de nos parents, mais concrètement faut pas faire grand chose. Ben ouais, après. Mais ouais, putain la vache, c'est chaud quoi. C'est tellement, tellement gênant et tellement chiant qu'il y ait rien qui soit fait de leur côté quoi. Les parents ils achètent sur le chiant, il faut. Ouais, faut que la gamine s'endurcisse, bah ouais, forcément. Non mais c'est pas comme ça qu'on règle le problème, hein, les gars, putain. Ah putain, c'est vachement... Bon, du coup on va faire encore un petit chrono court mais avec Missango, hein, il a gagné son arsenal. En tout cas, bon courage quand même Arcane, j'espère que... J'espère que... tu tiendras bon et que... tu pourras réussir à trouver une façon de venir à bout de ce problème. Ouais putain, c'est vrai que si, si tu peux rien faire sans preuve, putain c'est chiant quoi. Non mais touche la boîte! La boîte! Voilà. Oh! J'ai plus l'ours encore. Il forme même pas les contractuels et pas toujours les permanents. D'accord, ouais. Et du coup, ils collent ceux qui n'ont pas la formation sur ces cas-là. C'est waouh.
Ouais, bah c'était pas glorieux comme arsenal, hein. Peut mieux faire. Oui, bah oui, mais bon, après, je veux pas dire à la gamine de courage, donc c'est à travers toi aussi que je transmets le truc, mais. C'est même pas pris en charge, enfin, c'est pas mieux pris en charge, là, putain. Ah, j'aimerais dire des trucs un peu plus joyeux pour égayer la fin de soirée, mais malheureusement, ouais, tous les problèmes de harcèlement scolaire, de machin, c'est tellement de la merde. Je crois qu'on en a tous bouffé, à mon avis, et c'est. Je sais même pas ce que je pourrais faire à ta place, quoi. C'est faux, quoi. Tu vas reparler au conseil de classe, je dis, bah ouais, je pense que. Faut espérer que ça fasse changer quelque chose, en tout cas. Bon, en tout cas, j'espère que ça bougera et que ils réagiront avant qu'un mal soit commis, quoi, ce serait bien. Bon, sur une autre note, bon, désolé, cette fin de stream, elle va pas être forcément hyper joyeuse, mais ça fait partie de la vie, hein, aussi, les problèmes comme ça. On peut pas toujours être joyeux, il faut discuter de ces problèmes-là aussi, hein, Et bah j'espère juste que vous arriverez à résoudre ce conflit et que la gamine surtout elle sortira bien quoi. Bah ouais, j'espère que les choses vont bouger aussi un peu. Bon du coup, en attendant. Mais non, t'as pas plombé l'ambiance. Mais non, bah de toute manière, il faut en parler aussi, hein. Il faut en parler aussi. Moi, c'est juste que je me sens impuissante parce que bah, je peux pas faire grand-chose à part t'encourager et aussi à travers toi. Donc, comme je disais, encourager la gamine en espérant que ça se passe bien pour elle. Mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais il faut en parler. Puis des fois, ça fait du bien d'en parler parce qu'on peut sauter un peu le poids que ça génère. Donc. Mais non, t'as pas plombé non plus. Personne ne plombe rien. On discute et des fois on parle de sujets plus légers, des fois des sujets un peu plus sérieux. Et puis voilà, ça fait partie des discussions. C'est pas négatif du tout, hein. Quand on discute, on peut discuter de tout un tas de choses. C'est dur à dire. Ouf. Mais personne ne plombe l'ambiance de personne. Rassurez-vous. En attendant, quand même, que je conclue tout ça. Ce week-end, c'était le week-end multi entre Splatoon et Arms. Demain, normalement, je stream. Et si tout va bien. Et on devrait retourner sur le bébé. Sur Zelda Breath of the Wild, on continuera le DLC. Le deuxième DLC, Lodo Prodige, on s'était arrêté aux épreuves de Urbosa. Donc, on continuera tout ça. Et puis, il faudra qu'on aille voir Daruk et Revali. Et quand on aura fini avec le DLC de Zelda, eh bien, on reprendra notre petit train-train habituel, à savoir Stardew Valley et Skyrim, en un petit peu un coup l'un, un coup l'autre. Et puis voilà. En attendant, eh ben, j'espère que la nuit vous portera conseil. Ça fait cucu comme phrase, on est d'accord. Mais si ça peut marcher, on sait jamais. J'espère que vous vous reposerez bien, hein, quand même. Et puis, je vous retrouve très vite. Des bisous.